la Digital Battle, c'est un mélange entre les FAP et l'ICAR. On travaille tous en équipe et on a une semaine pour répondre à la problématique d'un annonceur. Cette année, c'était un peu spécial puisque c'était 100% digital et l'annonceur était le musée en herbe. Il a fallu répondre à deux problématiques. Tout d'abord, l'optimisation des outils digitaux du musée et enfin, trouver un concept créatif et son financement. Le réel challenge est de savoir mixer nos connaissances avec notre culture dans un temps extrêmement limité pour répondre à une demande d'un client de façon très spécifique. C'est une expérience pro assez dingue parce qu'en 5 jours, ça nous demande beaucoup donc, de concentration, mais aussi de dynamisme et de créativité. C'est intense, mais c'est juste incroyable à vivre. C'est d'autant plus une opportunité puisque ce projet, s'il est finalisé et réalisé, nous permet de faire notre carte de visite dans le monde professionnel. J'ai fait partie du grand jury des top 5 et j'ai trouvé que c'était d'un professionnalisme incroyable. Non seulement ils ont répondu à nos attentes, mais ils ont élargi les demandes avec des préconisations formidables. Et vraiment, nous avons été impressionnés, bluffés et je tiens aussi à les féliciter.